Hey, salut tout le monde, c'est Téléphone. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux encore une fois de vous présenter The Last of Us. En attendant, je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite bon visionnage à toutes et à tous. Fausse alerte! On les connaît. On subit pas mal d'attaques. Il y a plein de bandits dans le coin. C'est calme depuis quelques jours. Qu'est-ce que tu fous ici? Je pensais te trouver à Jackson. On essaie de redémarrer la centrale. On avait réussi à la relancer, mais une turbine est tombée en panne. On a l'électricité. Enfin, on avait. On va la récupérer. J'y crois pas. Vous avez des chevaux? On en a plein, même. Hé, hey, Tammy, donne-moi un coup de main. Désolé, je reviens. Je peux? Oui, bien sûr. Il aime qu'on lui caresse les oreilles. Tu es déjà monté à cheval? Eh ben, ouais. Quand est-ce que t'as monté à cheval? C'est Winston. Un soldat de la zone. C'est lui qui m'a appris. Si tu veux, on pourra aller faire un tour avec lui tout à l'heure. Ça serait super. Voilà. Eh, hey, merci Tommy. Pas de problème. Allez, on continue la visite. Ouais, pas de problème. Earl? Oui? Qu'est-ce que tu fais là? T'étais pas censé rentrer ce matin? J'attends toujours Couser et les gars viennent me relever. On va se débrouiller. Allez, va rejoindre ta famille. J'en ai plus que pour 2 heures, ça ira. D'accord. Mais n'en fais pas trop. C'est bien ça, une patronne qui pense à ses employés. Mais, Tommy, tu nous suis ou quoi? Ok. Maria? Ouais, allez-y. On est dans le sac de contrôle. Steve va tout remettre en route. Tu viens jeter un œil? Je préfère manger avec Ellie. C'était mon tour de toute façon, j'y vais. Je viens avec toi. Va avec Maria et mange quelque chose. Joël? Allez, Ellie, laissons les gars travailler. Bon, je vous envoie Tommy, bougez pas. Allez. Ce sera la 6e fois qu'ils essaient de relancer les turbines. Ça fait qu'une semaine qu'on est là, mais ça semble long. Ok. J'ai quelque chose pour toi. L'an dernier, je suis retourné à la maison, au Texas. Le plus gros de nos affaires manquait. Le plus gros. Tiens. Elle est un peu passée, mais elle est encore chouette. Ouais, ok. Qu'est-ce que je suis censé faire, ça? C'est bon. T'es sûr? J'ai dit c'est bon. Ok. Je vais la garder pour toi. Tommy, écoute, il faut que je te parle. En privé. Ouais, ok. Je vais juste aller voir les gars, vite fait. Allez. Je te suis. C'est un peu bizarre comme façon d'écrire. Mais bon, après, je comprends la situation. Hein. Mais c'est un peu bizarre quand même, même si on est sûr. On arrive à l'improviste. Attendez, je vais venir. Je vais venir. J'ai vu qu'il y a un truc par là. Un bureau. Oh, je me suis pas trompé. Ok, j'ai bien fait de partir par là. Tommy, tu peux attendre. Hein. Ça m'intéresse. Votre pioule. Attendez, je vais voir. Ah, de toute façon, je peux charger. Ah, mais je peux charger tout de suite, non? Ouais, mais c'est pas assez. Il n'y a pas assez, là. Attendez, hop. Ah, mais c'est bon, fusil à pompe est peut-être chargé. Ok, c'est bon. Ben là, je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre ça. C'est parti. Allez. Tommy, tu es où? Tu es là. Oui. Je sais pas ce que tu sais, mais va voir la ville. On compte plus de 20 familles maintenant. C'est Maria et son père qui ont créé cet endroit pour vivre de façon autonome. On a des plantations, du bétail. On pensait que ce mode de vie était mort et enterré. Et pourtant. Et niveau sécurité? Les adultes gardent le périmètre à tour de rôle. On a même une barrière électrique quand la centrale marche.
Et vous avez toujours affaire aux infectés, hein. Comme partout. Faut bien faire avec. C'est peut-être pas obligé. Tu parles comme Marlène. Marlène. Salut toi. C'est pas un bon chien de garde. C'est un bon chien. Mais j'aime bien l'avoir ici. Si vous savez que Marlène, qu'est-ce qu'elle a subi. Attendez, je suis avancé avec lui, mais j'aimerais quand même fouiller ce qui se passe aux alentours. Même si ça me fait perdre du temps, c'est pas trop grave. Mais j'aimerais quand même, de toute façon, perdre du temps. Non, parce que. Vous êtes nouveau par ici? Oui, je suis nouveau. Ouais, Joël, je suis. Le frangin. Comment ça se fait? Les nouvelles vont vite, donc. Ouais. Apparemment, oui. Il y a comme un air, en effet. Je vois. C'est un compliment. Ravi de vous connaître. Enchanté. Je vois que tu es la bienvenue par là. Et toi, tu sais quoi, toi? Qu'est-ce que tu essaies de faire, là? Mais prends une corde, et tire. Si tu tires comme ça, tu vas pas y arriver. Tu coupes un petit peu, juste pour... En plus, t'es tout seul, il n'y a personne qui t'aide. C'est quoi ces ouvriers, là? Bah, du coup, je vais descendre à l'escalier pour voir ce qu'il y a en dessous. Est-ce qu'il y a du monde en dessous? Personne. Il n'y a personne qui surveille le lieu. Ah, je trouve encore un petit local. Non, il n'y a rien dans le local. Il n'y a rien du tout dans le local. Est-ce que je peux trouver d'autres choses? Je fais le tour de lieu, hein. Comme ça, si je vais habiter par là, au moins je connais d'avance ce qui m'attend. C'est bon, je pense que je fais le tour de lieu. Bon, continue, camarade, tu vas y arriver un jour. Il est tout seul, le pauvre. Moi, ça fait longtemps que j'aurais abandonné. Allez, Tommy, je te suis. Ou alors, attends. Un truc en plus aussi, non? Non, non, c'est juste la remontée. Ok, bon. Je fais le tour, c'est bon. Ces deux génies vont nous remettre la centrale sur pied. Je crois que c'est la bonne cette fois. Quoi, tu ne crois pas? J'ai pas dit ça. Je te parie un million que ça marche. Ok, disons deux. On est presque prêts. Ils ont plus qu'à finir d'installer le bouclier. Tranquille. Bon, est-ce que je peux vous parler, vous? Casque jaune. Ben, je profite peut-être... faire des trois trucs. Ah oui, j'ai complètement oublié de recharger mes matos. Non, c'est pas ce que je veux, ça c'est bon. J'avance tranquille, hein. En même temps. En même temps, je visite le lieu. Ok, c'est bon. Doucement. Fais gaffe, hein. Fais gaffe, les gars, c'est lourd, ça. Voilà, c'est bon. Tommy est là. On peut y aller? Oui. C'est bon. Prêt? Vas-y, démarre. C'est parti. On a réussi. Super. L'autre hauteur. Assez impressionnant. Tu vas devoir me trouver 2 millions. Tu l'as dit. Allons en discuter. Attends, j'arrive. Je vais faire un petit tour. Je vais d'abord discuter aux camarades, si on peut. Non. Bientôt ici, il y a les soudeurs et tout. Il y en a tout, il y a tout. Oh, j'ai bien fait de venir par là. Parce que je vois que ça brille un peu partout. Ok, ça j'en ai pas besoin.
Et même l'emblème de Lucien qui est là. Essayer des munitions. Bon, je pense que j'ai. Je sais pas si je vais prendre ça. Si je prends, est-ce que je peux modifier? Parce que ça, ça fait plus mal. Bon. Et c'est dommage que je peux pas prendre les deux d'ailleurs. C'est dommage, hein, parce que là j'ai modifié l'autre. Et du coup je laisse comme ça. Hey Tommy, j'arrive, t'inquiète, j'arrive. C'est une sacrée équipe que t'as là. C'est des types bien. Cet endroit leur donne une seconde chance. Il nous donne à tous une seconde chance. Pourquoi t'as quitté Boston? Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. J'imagine que c'est lié à cette gamine. Tout est lié à cette gamine, petit frère. Allez. Vas-y, raconte. Elle est immunisée. Contre quoi? Écoute, oh, je le sais. Pas. Je l'ai vu respirer assez de spores pour tuer une dizaine d'hommes. Et rien. Je n'y aurais pas cru non plus. Mais je peux te montrer. Ok. Je te crois. Pourquoi l'amener ici? J'étais censé la livrer aux Lucioles. Mais vu que ce sont tes copains... T'as raison. Tu peux finir le boulot et empocher la récompense. Ça fait des années que j'ai pas vu les Lucioles. Mais tu sais où ils sont. Je ne te demande pas grand-chose, Tommy. Je veux un peu de matos. Juste de quoi repartir. Qu'est-ce qui te fait croire que je ferais ça pour toi? C'est pas pour moi, Tommy. C'est pour ta foutue cause. Ma cause, c'est ma famille, maintenant. T'es pas en train de me parler d'une promenade de santé, là. Tu te fous de ma gueule? Demande à Maria de rassembler quelques-uns de vos potes pour ils le faire. Ils ont aussi une famille, mes potes. Tommy, s'il te plaît. Tu veux du matos? Ok. Mais compte pas sur moi pour te débarrasser de cette gamine. C'est comme ça que tu me remercies, hein? Te remercie? Pour toutes ces années où je me suis occupé de nous. Occupé? Non, mais tu veux rire. Tout ce qui me reste de ces années, c'est des cauchemars. Tu as survécu grâce à moi! Eh ben, ça valait pas le coup. Je t'apporte le salut de l'humanité et tu oses jouer les petits frères pleurnichards. On n'est plus à Boston. Si tu lèves encore une fois la main sur moi, tu vas le payer cher. C'était quoi, ça? On nous attaque. Tu sais encore tuer un homme, non? Ouais. Et voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce de j'aime pour compenser cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de commenter pour savoir ce que vous en pensez de cette vidéo. Et puis toi qui passes par là, qui n'est pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche de la notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao.